Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc mon nouveau petit rail. Donc voilà, j'en ai fait un petit, il est juste là. Donc j'ai quelques trucs à finir encore, donc je vais vous montrer ça. Faut que je refasse des petits trucs, il est mal, il est pas très stable, les pieds ils sont trop larges. Enfin, il y a des petits trucs à finir. Donc voilà. Avant ça, je voulais vous parler que les guides gratuits, donc en trottinette et en skate, sont toujours disponibles donc, sur le site internet. Je vous avais expliqué dans une vidéo, je sais plus c'est laquelle, mais comment l'avoir. Donc en fait, quand vous êtes sur la page d'accueil du site internet, il y a juste à mettre votre adresse mail, votre nom, votre prénom, et vous recevrez sur votre boîte mail. Donc voilà. Donc dans ces guides, en gros, donc c'est trottinette et skate. Donc j'explique tout ce qu'il faut savoir pour les débutants, pour préparer une session, choisir son matos, voilà, préparer une session pendant la session, comment progresser rapidement, que des trucs comme ça, que des conseils donc pour les débutants. Donc même ceux qui connaissent un peu le skate, je pense que ça peut en aider quelques-uns. Voilà, si ça peut en aider quelques-uns, je suis ravi. Donc voilà, on va commencer. J'ai les outils juste là, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous filmer ça, et puis c'est parti. C'est bon, là j'ai recoupé les pieds, comme ça je pourrais arriver plus près de la barre parce que hier j'ai testé et comme les pieds ils étaient super longs, enfin super larges, et c'était chiant pour arriver sur la barre. Donc là j'ai recoupé un peu et les chutes de bois que j'ai, donc les côtés des pieds, je vais les mettre ici pour que comme ça, ça se balance moins quand je suis là, au bout de la barre. Faut que je fasse des trous là, je vais percer puis après je vais mettre des vis donc en dessous. Donc allez, c'est parti. Bestiole, donc elle fait environ 10 cm de haut, je dirais 10 cm, elle doit faire 2 mètres de long. Donc j'ai rajouté les pieds à aux extrémités, j'en ai mis un au milieu pour être sûr que ça plie pas au bout d'un moment, et puis voilà la deuxième extrémité. Donc j'ai pris donc j'avais un gros bout de bois carré, un long, j'ai pris un tube que j'ai vissé. Là, trois vis, j'ai percé, donc j'ai percé à travers, puis les vis, elles descendent jusqu'en bas, jusque dans le bois. Donc voilà, les trois. Là, les pieds pour un peu plus de stabilité que j'ai recoupé après. Donc je vais faire quelques tricks un peu pour vous montrer. Et puis c'est parti, hein. On va tester ça. Il à la fin il est un peu chaud parce que le rail il est bas, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, il va falloir que je me réhabitue un peu. Je vais arrêter cette vidéo ici, sinon elle va être trop longue. Je vais faire une autre vidéo pour retester un peu plus le rail pour vous montrer en vidéo. Voilà, je vais filmer ma session entière et puis normalement ce sera la vidéo de demain. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé, liké, commenté, partagé comme d'habitude. Et puis je vous retrouve à très vite dans des nouvelles vidéos.